Aimer Dieu est le premier et le plus grand commandement que nous trouvons dans la Bible. C'est-à-dire, aimer Dieu doit être prioritaire dans la vie de tout homme. Une priorité. Dieu avant tout. C'est pour dire que le cœur de tout homme doit être tourné vers Dieu. Le cœur de tout homme doit trouver sa joie en Dieu. Et c'est cela même, aimer Dieu. Mon cœur trouve sa joie en Dieu. Mon cœur est tourné vers Dieu. En d'autres termes, la vie n'est pas vie si elle est remplie d'amour pour Dieu. La vie n'a de sens que si elle aime Dieu. La vie n'est heureuse ou n'est ce que Dieu veut qu'elle soit si seulement elle est tournée vers Dieu, si elle aime Dieu. Comment aimer Dieu? Nous avons la réponse dans ce texte. Jésus dit de tout son cœur. 2. De toute son âme. 3. De toute sa force. Qu'est-ce à dire? De manière générale, nous pouvons retenir 3 éléments ici, n'est-ce pas? Le premier, c'est que aimer Dieu doit être un choix, une décision personnelle et volontaire. Je me décide, je choisis d'aimer Dieu. Je prends l'engagement d'aimer Dieu. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on ne s'est pas encore décidé personnellement et volontairement de l'aimer. Je choisis de l'aimer Dieu. Je m'engage à aimer Dieu. Aimer Dieu n'a pas de sens si on n'a pas encore préféré Dieu aux idoles. Si on est attaché aux idoles, on n'aime pas Dieu. Si on est attaché à d'autres dieux que Dieu, on n'est pas Dieu, on n'aime pas Dieu. Si on est attaché à la magie, on n'aime pas Dieu. Si on est attaché à l'occultisme, on n'aime pas Dieu. Si on est attaché au fétichisme, on n'aime pas Dieu. Si notre cœur est détourné de Dieu, on ne l'aime pas. On n'aime pas Dieu si on est attaché aux loges. Dieu doit venir en premier et tout mon cœur doit être tourné vers lui. Tourné vers lui. Aimer Dieu, donc, doit être un choix. Aimer Dieu doit aussi être une consécration totale à lui. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on ne s'est pas encore consacré à lui. Toute ma vie pour lui. Seigneur, je voudrais vivre pour toi, marcher avec toi. Prends ma vie, contrôle-la. Je voudrais faire ce qui te plaît. Une décision personnelle et une consécration. Je me donne à toi, tout à moi pour toi, mon cœur d'abord pour toi, le centre de ma vie pour toi, pas pour autre chose, pas pour moi-même, pas pour Satan, les fétichismes et tout, mais pour toi, je me livre à toi, je me livre à toi.